Bonjour, pour votre cas d'exercice sur le fonction, l'exercice est le suivant. Montre que l'équation 1 plus sin x est égal à x admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert 0, 3 pi sur 4 et interprétez ce résultat graphiquement. Bon, ici, pour résoudre ce type des équations, on va penser à le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, on peut l'utiliser, bien on va étudier la définition d'un intervalle. Bon, on va poser soit soit h la fonction définie, soit h la fonction définie sur le fermé 0,3 pi sur 4, intervalle fermé 0,3 pi sur 4 par h du x est égal à 1 plus sinus x moins x. On a h et continue sur 0,3 pi sur 4 comme somme de 3 fonctions continues sur 0,3p sur 4. La première, c'est la fonction constante, la deuxième, c'est la fonction sinus, la troisième, c'est le polynôme qui a x au niveau associé moins x. Donc h est continu sur 0, 3p sur 4. Bon. On a h de 0 est égal à 1 plus sinus de 0 moins 0 qui est égal à 1 sinus de 0 c'est 0, donc 0 plus 0 qui est égal à 1 est strictement positif. Donc h de 0 est différent de 0. Donc h de 0 est différent de 0 si la vérité que a plus 0 n'est pas une solution. Donc on va l'écarter de l'ensemble 0,3 et sur 4. Maintenant, h de 3p sur 4 est égal à 1 plus sinus de 3p sur 4 moins 3p sur 4. Donc, il est égal à 1 plus sinus 2. Bon, 3p sur 4, donc si je fais plus p sur 4, moins 3p sur 4, qui est égal à 1 plus sinus de 2p sur 4, plus p sur 4, moins 3p sur 4, qui est égal à 1 plus sinus de pi sur 2 plus pi sur 4 moins 3 pi sur 4 qui est égal et c'est 1 plus sinus a plus b sinus de b cosinus de a cosinus de b plus sinus de b cosinus de A moins 3P sur 4. Donc, il est égal à 1 plus sinus de P sur 2, c'est 1, cosinus P sur 4,
sera sin du 2 sur 2, moins cosinus pi sur 2 c'est 0, donc moins 3 pi sur 4. Donc il est égal à 4 plus de racine du 2 sur 4 moins 3pi. Donc 3pi sur 4. Donc on va comparer. Bon. Oui, la cellule sur 2 plus 2, donc alors, on va comparer. En comparant. Comparant. 4 plus de racine de 2. Et 3p. Bon, 3 multiplié par p, 3 multiplié par 3, c'est 9, donc 9 multiplié par donc, c'est un angle qui est supérieur à 9. Et c'est 4, 2 racine de 2, racine de 2, c'est 1,41. Donc 1,41 multiplié par 2. Bon, on a racine de 2 est inférieure à 1,5 car racine de 2 c'est 1,41. Pardon. On a 2 est inférieure. Sur 4, c'est 8. Bon, et si c'est 8 plus 1 sur 4 qui est égal à 2 plus 1 quart. Donc 2 est inférieur à 2 plus 1 quart. Donc racine de 2 est inférieur à racine de 3 de 9 sur 4 qui est égal à 3 demi. Cela implique que racine de 2, pardon, est inférieur à 1,5, 3,5 pardon, 3,5. Donc 2, racine de 2, 2 multiplié par 3 sur 2, cela implique que 2 racine de 2 est inférieur à 3. On va ajouter 4. Donc 4 plus 2, racine de 2 est inférieur à 3. Plus 4 est égal à 7. 7 est inférieur à 9. 9 à 100 euros est inférieur à 3p. Donc, 4 plus 2 racine de 2 est inférieur à 3p. Cela implique que 4 plus 2 racine de 2 moins 3p est négatif. Donc, 4 plus 2 racine de 2 sur 4 moins 3p. Sur 4 est inférieur à 0 implique h de 3p sur 4 est inférieur à 0. Donc h de 3p sur 4 est différent de 0. Et comme h de 3p sur 4, pardon,
négatif, I, H de 0 est positif. Et H de 0, 3 P sur 4, cette quantité est à l'intervalle. Et H de 3P sur 4 bon, est à l'intervalle car H est continu. Bon, est à l'intervalle. Pardon. Et H de 3P sur 4 appartient à H 3P sur 4 et H de 0 appartient à H de 0 3P sur 4 donc 0 appartient à H 0 3P sur 4. Bon, ici, on a H de 3P sur 4, c'est un élément de H de l'intervalle H0, 3P sur 4. Et H de 0 est un élément de H de l'intervalle 0, 3P sur 4. Et comme 0 est compris entre H de 3P sur 4 et H de 0, alors H appartient à H de 0, 3P sur 4, car H de 3P sur 4 est un intervalle. Donc, il existe un alpha appartient à 0,3p sur 4 tel que h de alpha est égal à 0. Et comme H de 0 est différent de 0, et H de 3P se gâte différent de 0, donc il existe un alpha appartient à l'envers 0,3P sur 4, tel que H de alpha est égal à 0, est équivalent à il existe alpha appartient à 0, 3P sur 4, pardon, tel que, bon, 1 plus sinus alpha moins alpha est égal à 0, est équivalent, à x alpha appartient à 0, 3P sur 4, tel que, 1 plus sinus alpha, est égal à alpha. Voilà pour la première question. Et si par exemple, une remarque, on peut interpréter en utilisant le théorème de valeur intermédiaire. Bon, puisque H est continu sur 0, 3 puis sur 4, et H de 0 est égal à 1 différent de 0, et H de 3 puis sur 4 est égal bon, à l'expression qu'on a trouvée qui est négative, comme le produit est inférieur à 0 car H de 1 est positif et H de 3P sur 4 est négatif, alors le produit est nul, pardon, il serait tout moins négatif. Donc il existe un alpha à partir, d'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe un alpha appartient à l'envers 0, 3P sur 4, tel que H de alpha est égal à 0. Voilà, maintenant on va passer à l'interprétation graphique. L'interprétation graphique, oui. Bon, graphiquement, graphiquement, 1 plus sinus alpha
modified together 0, similarly, signifie que la courbe ci de H de H coupe l'axe des abscisses en un point, au moins, en un point, A de coordonnées alpha 0, avec alpha appartient le vert 0, 3P sur 4. Ou bien, on pose de la fonction qui est x associée à un plus sin x. UU, la fonction qui est x associée à moins x. Il existe au moins un point de plan dans l'abscisse alpha appartient à 0,3 pi sur 4 ou sud U coupe sud U. On peut remarquer aussi cette. Voici la même qu'à la fonction G. La fonction pardon h, c'est t plus u. S'il est égal à 0, donc t de x, il existe un alpha, ou t de alpha est égal à u de alpha. C'est-à-dire que les deux courbes se coupent en un point alpha de coordonnées, pardon, en un point bêta de coordonnées alpha, t de alpha ou bien u de alpha, car t de alpha est égal à u de alpha. Donc si du coup ce coup, on n'a pas alpha dans l'abscisse appartient à l'inverse 0, 3 pi sur 4. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.